Yo les gens, c'est Edox. Alors c'est juste pour vous faire une petite parenthèse avant la vidéo. C'est juste pour vous dire qu'à un moment donné de la vidéo, il y aura un black screen. C'est un petit fail de ma part que j'ai pas réussi malheureusement à corriger au montage. Donc il faudra que vous avanciez de 4 minutes et 40 secondes pour pouvoir passer ce black screen et continuer la vidéo normalement. Voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à lâcher un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et mettre un pouce bleu pour nous aider à nous développer. Ciao les gens. Yo les gens, c'est Goyou. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel complet et approfondi de Lucian. Alors oui, je sais que j'avais déjà fait un gameplay dessus. J'aime vraiment beaucoup ce champion et je sais que c'est un champion qui est très très fort en ce moment. C'est pour ça que je voulais vous faire un tuto dessus pour vous aider à mieux comprendre le champion, à mieux l'utiliser et à mieux à gagner vos games avec tout simplement. Donc on va commencer tout de suite par les spells ainsi que le passif de Lucian. Alors le Q-spell de Lucian, vous le savez tous, c'est un laser transperçant tout simplement qui va faire des dégâts AD dans une zone linéaire. Après, on a le Z de Lucian qui va donc envoyer une étoile comme ceci. Et qui va donc. Cette étoile qui va donc éclater à la fin de sa trajectoire ou dès qu'elle rencontre un ennemi, que ce soit un creep ou un champion. Et tous les unités ennemies ou neutres, donc ça peut être aussi les monstres de la jungle qui sont touchés pardon, lors de l'éclatement de cette étoile, sont marqués pardon. Et quand vous remettez des auto-attaques sur les ennemis marqués, eh bien vous allez gagner de la move speed pendant une seconde. Vous gagnez quand le spell est niveau 5, vous gagnez 80 move speed pendant une seconde. Mais bien sûr, cette marque, vous pouvez la faire plusieurs fois dans une durée limitée. Voilà, ça les marque pour 6 secondes, les ennemis. Donc pendant 6 secondes, à chaque fois que vous allez mettre des autos aux ennemis, vous allez gagner 80 move speed pendant une seconde. On passe tout de suite au E. Le E qui est donc un dash comme ceci, qui coûte très très peu de mana, qui coûte 40 de mana au niveau 5, puis 0 de mana au niveau 40 mana pardon au niveau 1 et puis 50 de mana. Oh là là, je m'embrouille, excusez-moi. 50 de mana au niveau 1, 0 de mana au niveau 5. Et donc à chaque fois que vous mettez une double auto à un ennemi, à un champion ennemi, donc pour chaque double auto que vous mettez, donc qui est donc le passif de Lucian tout simplement. Donc à chaque fois que vous mettez un spell, regardez, vous envoyez deux autos d'affilée. Vous venez de le voir. Donc à chaque fois que vous mettez une double auto sur un ennemi, ça réduit de 2 secondes par double auto le cooldown du E de Lucian. Et ça réduit de 1 seconde par auto le cooldown du E de Lucian quand vous touchez pas un champion mais un monstre de la jungle, que ce soit Drake, Baron, les buffs, le héros de la faille ou alors un creep. Donc le cooldown se réduit d'1 seconde. Ensuite on a le R. Le R qui envoie donc 30 balles. Ça a été fixe maintenant, ça n'envoie plus que 30 balles. Vous pouvez le cancel en appuyant dessus comme ceci. Donc ça, vous envoyez 30 balles qui vont faire énormément de dégâts. Ça sera des dégâts mixés AD et AP. Oui voilà. Et pendant que vous balancez votre R, vous pourrez utiliser votre E pour pouvoir réajuster votre angle, puisque une fois que vous avez lancé votre R, comme vous voyez, ça balance des balles tout droit et vous ne pouvez pas réajuster l'angle de votre tir. Alors tout de suite on va passer au stuff. Alors le stuff en pré-saison 6, le meilleur stuff que je vous recommande, ce serait une essence river, donc une fausse spectrale. Donc cet item qui est tout simplement trop fort, hein, 65 d'AD puis 20% de crit chance avec 10% de CDR flat, et vous pouvez gagner jusqu'à 20% de CDR en fonction de votre crit chance que vous avez. Donc plus vous avez de crit chance, plus vous gagnez de CDR. Donc c'est tout simplement craqué, abusez-en de cet item. Ensuite, vous faites donc un static tout simplement pour pouvoir dépush. Vous gagnez de la move speed, du crit chance. Donc ça combo parfaitement avec l'essence river. 5% de move speed, du crit chance et 35% d'attaque speed. Et vous allez pouvoir stack en marchant, en lançant des auto-attaques, votre statique. Et une fois que là par exemple, vous voyez, je suis à 100 stack. Une fois que vous êtes complètement chargé, vous voyez là ça a fait 121 dégâts sur l'Inali. Là ça va pas les refaire puisque mon statique n'est pas chargé. Donc ça va faire des dégâts magiques en zone. Regardez là par exemple, mon statique est chargé. Vous avez vu, il y a une petite décharge d'éclair qui va sur l'unité que vous attaquez, plus 4 autres cibles. Alors ensuite, vous allez faire
cet item là, donc c'est le nouveau lasso whisper, cet item là qui va vous donner en gros de l'armor pen, ou alors cet item là si vous êtes par exemple contre des champions comme je dirais quoi, je dirais Yi, Zed, Yasuo, ou même pour contrer le heal d'un autre ADC, vous faites cet item là qui va donc leur infliger pardon, un effet qui va réduire leur heal de excusez-moi, de 40% pendant 3 secondes, pendant 5 secondes, pardon. Donc extrêmement fort. Ensuite, vous allez faire une BT. Je recommande pas tellement cet item. Il peut être fort dans certains cas, par exemple si c'est une team de burst en face. Je vais pas m'attarder dessus. Je vous recommande donc une BT 75 d'AD avec 20% de lifesteal. Attention, le lifesteal de plusieurs BT ne se stack pas. C'est un passif unique. Donc si vous faites plusieurs BT, vous aurez toujours 20% de lifesteal. Et en gros, quand vous êtes full life, vous pouvez toujours lifesteal. Comme vous voyez, j'ai un bouclier qu'on voit sur ma vie en gris là. Et autour de moi, un petit effet sympa qui va vous permettre d'absorber les dégâts qui vont vous être infligés tout simplement quand vous aurez ce bouclier. Alors ensuite, vous allez faire une ceinture de mercure. Donc c'est tout simplement ceci. Alors la ceinture de mercure, je vous recommande de la faire bah, contre les teams dès qu'il y a 1, 2 ou 3 CC qui vous empêche vraiment de jouer. Ou même par exemple, ça peut enlever l'ulti de Z, la marque de l'ulti Z, ça peut enlever la marque, enfin le requin qui tourne en dessous de vous, pardon, de l'ulti Fizz. Ça enlève toutes les choses comme ça. Par exemple, si un, je dis n'importe quoi, si un Lee Sin a mis un Q-spell sur vous et que vous mettez votre QSS, et bah il pourra pas redash sur vous tout simplement. Excusez-moi. Il pourra pas redash sur vous, tout simplement parce que ça va enlever bah, l'effet de son Q-spell qui fait donc qu'il peut redasher sur vous. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ça peut enlever aussi tout ce qui est embrasement, exhaust, tout ça, tout ça. Donc voilà, comme vous voyez, ça enlève tous les debuffs. Ça a que 90 secondes pardon, de cooldown. Donc c'est extrêmement fort. Donc vous pouvez le faire en deuxième item juste après votre essence river pardon, si vous avez par exemple un Z qui est extrêmement faible en face ou des choses comme ça. Sinon vous le faites en troisième item après votre statique. Donc vous l'upgradez après une fois que vous avez fini tout votre build. Seulement une fois que vous avez fini tout le reste de votre build, vous pouvez l'upgrade en cimeterre mercurielle. Et les jambières du berserker que vous faites au cours de votre build, donc en général vous les aurez finis, ça dépend des games, soit avant soit après votre faux spectral. Et ce qui est le plus fort en ce moment sur ADC, c'est à la crité comme enchantement. Vous pouvez aussi faire fureur, personnellement je préfère à la crité en ce moment. Il y a eu un temps où on préférait la fureur, mais on s'est rendu compte que bah, à la crité c'était tout simplement mieux parce que ça donnait un buff constant. Et non pas uniquement quand vous mettez des autos. Sinon, il y a un petit trick aussi que je peux vous montrer avec les bots. Par exemple, si vous êtes full stuff, comme moi actuellement, j'ai 5K gold. Donc vous avez du stuff à dépenser. Je vais acheter un élixir, acheter toujours celui-ci. Voilà, celui-là, au cas où vous n'aurez pas eu le temps de voir. Donc ce que vous faites, vous êtes à la base. Vous achetez donc des doux foyers. Vous avez donc les doux foyers qui ont proc. Et vous allez par exemple cliquer ici pour sortir de la base et vite acheter de nouveau des ailes à la crité. Donc vous aurez quand même le buff des ailes à la crité pour bah, le prochain fight que vous allez faire. Et en même temps vous profiterez du buff des doux foyers. Donc c'est extrêmement fort. Ça peut vous aider dans beaucoup de situations quand vous êtes full stuff. Et vous pouvez même le faire si vous n'êtes pas full stuff. Mais en général c'est mieux de le faire dans les temps full stuff parce que ça vous gâche quand même 500. Non, pardon, 450 gold. Et si par exemple il y a une compo avec je sais pas Malphite ou Orianna ou quoi en face et que vous avez absolument besoin de votre flash, vous pouvez faire l'enchantement distorsion qui va donc réduire le cooldown de tout ce qui est flash, ghost, téléport de 15%. Voilà. Alors tout de suite, attendez, je vais regarder mes notes. On va aborder les tips et tricks, différents tips et tricks que je peux vous donner sur Lucian. Alors, je vous ai parlé du Z tout à l'heure de Lucian, donc qui fait que quand vous auto-attaquez quelqu'un qui a la marque, vous gagnez de la move speed, comme actuellement, vous voyez, c'est ce petit bonus là. Mais ça marche aussi avec votre ulti. Par exemple, si vous faites ça, donc là, la ligne d'allié est marquée, je lui mets mon ulti, vous voyez que ça a fait proc la marque. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous donner comme
électrique. Ah oui. Tout ce qui est avec votre auto, reset d'auto. Regardez, vous pouvez par exemple mettre une auto à l'adresse, puis E directement après pour reset. Enfin, j'ai pas bien montré vu que j'ai pas reset. Attendez. Je vais attendre que le camp revienne à sa place. Voilà. Regardez, vous pouvez reset votre auto comme ceci. J'ai encore fail. Merci. Vous avez compris le principe, je suppose. Vous mettez votre auto, vous mettez un E, ça reset votre auto. J'ai lagué, super, on n'a rien vu. Pareil avec votre Z. Donc, vous pouvez reset, encore reset, et voilà. Donc, ça vous donne un timing en plus. Alors, pour votre Q-Spell, vous pouvez caster votre Q-Spell en même temps que vous êtes en train de caster une auto-attaque. Je m'explique, regardez. Vous pouvez caster votre auto et en même temps caster le Q-Spell. Je sais pas si vous avez eu le temps de voir. Pareil avec un double shot. Ah, putain, j'ai pas cassé mon auto, j'ai mal joué, désolé. Excusez-moi, je vais essayer de vous montrer ça le plus vite possible. Alors, en gros, le but sera de... Quand votre auto est en train de se lancer, vous mettez votre Q-Spell, regardez. Ah, putain, excusez-moi, j'arrive pas. C'est assez simple, hein. Ça paraît compliqué à faire. Ça peut paraître compliqué à faire, mais c'est assez fin. Oh, putain, j'ai encore failli. Voilà, comme ceci. Pendant que vous balancez votre auto, vous mettez votre Q-Spell. Comme ceci. Pensez toujours bien à mettre vos sorts de façon à ce que ça diminue bien le cooldown de votre E. Vous faites auto-attaque Z, E, auto-attaque Q-Spell, auto-attaque. Pour bien toujours réduire le cooldown de votre E de manière optimale. Vous allez clean de cette manière. Voilà. C'est comme ça que vous mettez un combo optimal en gros sur Lucian. Alors après, comme trick que je peux vous donner encore, ah oui, il y a le trick du EQ spell ou EZ. Si par exemple vous chasez quelqu'un et que vous n'avez pas le temps de faire E auto-attaque A ou E auto-attaque Z, vous pouvez faire comme ceci. C'est-à-dire que vous faites EZ très rapidement et du coup vous allez pouvoir balancer E et Z quasiment en même temps. Je vous le remontre une fois. Voilà, le Z s'est envoyé, vous voyez. On va juste clean ça et pardon. Vous pouvez faire la même chose avec le Q-Spell, regardez. Voilà, donc le Q-Spell s'envoie en même temps que vous faites votre dash. Donc c'est un gain de temps assez important quand même. C'est un bon gain de temps et comme je vous disais avant, vous pouvez dasher pendant que votre ultimate est activé pour réajuster votre angle ou des choses comme ça. Donc réfléchissez toujours bien à votre angle de tir avant de mettre votre ultimate pour pouvoir avoir tout simplement un angle de tir optimal. Alors ensuite Lucian, avec quoi c'est fort et contre quoi c'est fort? Alors Lucian c'est extrêmement fort avec des supports comme Soraka, Lulu ou Thresh. Ça combo extrêmement bien avec des supports comme ça parce que Lucian maintenant c'est devenu un c'est On peut dire que c'est devenu un hyper carry late game. Hein. C'est vraiment très très fort maintenant. Vous pouvez atteindre 40% de CDR quand vous avez un blue buff, sinon 30% de CDR. Personnellement, j'ai mis 5% de CDR dans mes runes pour pouvoir taper les 35%. Je vous parlerai bien sûr de mes runes et de mes masteries sur Lucian après. Oui, donc ça va très bien avec des supports qui peuvent vous peel. Donc je parle bien sûr de, par exemple, la lanterne de Thresh ou des choses comme ça. Ou Lulu, Soraka. Ces supports sont extrêmement connus pour pouvoir parfaitement défendre leur ADC. On va juste les faire se casser de là, voilà. C'est moins fort contre actuellement. Je dirais que c'est pas très fort contre Queen parce que Queen c'est un perso qui peut assez bien éviter votre Q-Spell en gros. Par exemple, quand vous allez mettre votre Q-Spell Queen avec quand elle fait proc, ça marque sur vous, elle gagne à la move speed. Donc c'est plus facile pour elle d'esquiver votre Q-Spell. C'est pas très fort contre Caitlyn non plus, parce que la plupart du temps, surtout maintenant, vous allez galérer, mais vraiment galérer à la toucher. C'est assez viable contre Graves, Vayne, Kog'Maw, c'est fort contre ça. Tout ce qui est des ZD carry à assez courte distance. Lucian est vraiment fort contre. On va juste la tuer vite fait, comme ça pour le fun. Voilà, merci d'être passé. Ensuite, qu'est-ce que je voulais aborder?
pour ce qui est du gameplay, je pense que c'est à peu près tout. Donc je vais juste vous montrer mes runes et ma story. Bien sûr, en sort d'invocateur, vous prenez toujours Flash Heal, hein. C'est la base. En bot lane depuis un peu plus d'un an maintenant. Depuis même plus d'un an. Hein. Presque 2 ans même. Bref. Donc sinon je voulais aborder aussi oui les items alternatifs. Donc vous pouvez faire un danseur fantôme contre des champions qui vous mettent vraiment trop de dégâts. Puisque une fois que vous allez auto-attaquer un champion avec quand vous avez le danseur fantôme, ce champion va vous faire 12% moins de dégâts. Donc c'est extrêmement fort contre par exemple Riven. Un petit penta tranquille. Par exemple contre Riven, c'est extrêmement fort puisqu'elle vous mettra 12% de dégâts en moins. Le Rapid Fire Cannon, le canon super rapide, je sais pas comment c'est appelé en français, excusez-moi. Ça va donc augmenter votre range. C'est pas très intéressant, voire même pas du tout intéressant sur Lucian, comparé aux statiques et aux danseurs fantômes. Tout simplement parce que ça a des un peu moins bonnes stats. Et que bah, la range sur une auto-attaque c'est pas très significatif quoi sur un ADC. Mais ça reste quand même un bon item. Testez-le, moi j'ai personnellement j'ai testé, peut-être que vous allez aimer, hein, je sais pas. Mais moi je trouve que statique et danseur fantôme sont plus viables. Et pour ce qui est des items défensifs ensuite. Alors par exemple contre une team qui aura vraiment 0 mais 0 CC. Donc ça vous aurez ça dans 1% de vos games. Mais si vous êtes contre une team qui n'a vraiment pas de CC, vous pouvez prendre statique danseur fantôme et donc ne pas prendre d'item défensif ou même prendre, excusez-moi, prendre statique mais sans, à la place de la QSS vous prenez ceci, la danse de la mort. Une danse de la mort, nouvel item qui va donc faire que quand vous prenez 12% de dégâts. Enfin, 12% de dégâts. Enfin, en gros, comment expliquer? Quand vous prenez 12% de vos HP max d'un seul coup, ça va réduire ces 12% et ça va vous les infliger seulement en 12 secondes. Donc, c'est un assez bon item en soi. Là, j'ai fait la merde, j'aurais pas dû utiliser mon ulti. On va voir si on peut l'enlever. Hein. On peut certainement pas. Ouais, je pense qu'on peut pas. Ah, quoi qu'avec l'ulti de son repère, on va essayer. Ah non, on peut pas. Sinon, à la place de la QSS, vous pouvez aussi faire un ange gardien, qui reste un item très correct. Hein. Contre des teams ou qui reposent vraiment sur les auto-attaques, mais ça sera vraiment dans 0,2% des cas, là, je dirais, hein, pas plus. Vous pouvez faire une Thornmail ici. Donc il va retourner une partie des dégâts que vous allez prendre, des dégâts des auto-attaques que vous allez prendre en dégâts magiques. Voilà. Sinon vous pouvez prendre ça augmente les heals. C'est assez intéressant dans pas vraiment beaucoup de compos, mais enfin contre vraiment beaucoup de compos, mais ça peut être intéressant des fois. Pareil pour la Banshee contre des trucs vraiment chiants, genre une compo Jayce, Nidalee, Ezreal, je sais pas, full poke ou un truc de mort comme ça. Vous pouvez prendre une Banshee si vous estimez que c'est supérieur à une QSS contre leur compo. Par exemple, contre ce que j'ai cité, Nidalee, Jayce, Ezreal, il n'y a aucun spell que vous allez pouvoir contrer avec une QSS. Donc vous allez préférer une Banshee. L'IE, je pense pas que ça soit si intéressant. On va préférer un deuxième item attaque speed. À l'IE, la BOTRK, on n'a pas besoin d'en parler, c'est vraiment plus fort. Vous pouvez tester Lucian Triforce, ça fait très longtemps que c'est plus joué, mais ça doit encore être assez viable. Donc voilà, ce sera tout pour le gameplay. Maintenant, on va passer tout de suite aux runes et masteries. Alors, qu'est-ce que j'utilise moi personnellement comme runes et masteries sur Lucian? Alors, ça, j'utilise ça sur à peu près tous les ADC, sauf Corki, Queen, et sinon, ouais, c'est tout. J'ai pas encore testé tous les ADC, mais en gros sur Lucian, vous allez prendre 18 points déjà en férocité et 12 en resolve. Donc 4% d'attaque speed, vous allez les préférer aux dégâts des spells et dégâts AP, c'est normal. Ne prenez pas ceci,
Parce que en tant qu'AD carry, vous voulez pas prendre 2% de dégâts en plus, même si c'est pour en infliger 2% en plus. C'est pas viable sur un perso AD carry. Excusez-moi 2 secondes, Sound je mute muted. sur TS, voilà. Ensuite, on va prendre 2% de lifesteal de Spellvamp. Personnellement, sur Lucian et sur tous les ADC en général, j'aime pas trop cette masterise. Je trouve que 10 d'AD et 15 d'AP au level 18, c'est vraiment pas assez significatif sur un ADC comparé à 2% d'AP et de Spellvamp que vous avez dès le niveau 1. Alors ensuite, j'aime bien chasseur de butin. En gros, pour chaque ennemi que vous allez tuer, vous allez faire 1% de dégâts en plus pour chaque ennemi différent. Donc par exemple, si vous faites un pentakill, vous serez cap à 5% de dégâts en plus avec cette masterise et vous ne pourrez plus en faire plus. Après, vous avez oppresseur. Alors oppresseur, toutes les cibles qui sont entravées, donc par un slow, un taunt, un stun, polymorphe par Lulu ou des choses comme ça, vont prendre 2,5% de dégâts en plus. Alors personnellement, je préfère chasseur de butin même quand j'ai une team avec beaucoup de CC, parce que je me dis que si je kill 3 ennemis différents déjà dans la game, bah c'est rentabilisé par rapport à l'oppresseur, puisque là vous aurez 3% de dégâts en plus alors que l'oppresseur vous aurez 2,5% de dégâts. Après, c'est vous qui jugez. Vous pouvez avoir un jugement différent du mien et préférer oppresseur. Ensuite, on prendra donc 7% d'armor pen et pas 7% de pénétration magique parce qu'on est un personnage AD. C'est normal. Alors là, je vous laisse décider de votre mastery. Je pense que, honnêtement, les trois peuvent être assez viables, même si celle-ci ressort nettement, même si elle va être nerf, dans le prochain patch ou dans un prochain patch. Puisque vous savez qu'on est en pré-saison pour l'instant et que tout ce qui est mastery, tout ça, ce n'est encore que du test, bien sûr. C'est pour ça que il y a certains items, certaines masteries et certains champions qui sont OP pour l'instant. Ce n'est qu'une phase de test. Donc, je prendrais personnellement plus ceci, moi, sur un ADC. Alors ensuite, vous avez le choix entre ces deux branches. Personnellement, je préfère celle-ci. Puisque là vous avez 3% de move speed hors du combat ou 5 de dégâts sur les creeps et les monstres. Alors que là vous pouvez avoir 6%. 6%. Imaginez, c'est quand même quelque chose, 6% d'armure et de magic resist bonus. Alors bien sûr ça compte que sur le bonus. Donc ça ne compte pas sur votre armure totale. C'est que sur votre armure que vous avez via vos runes et via vos items. Certes, ça peut ne pas paraître très conséquent, mais pour moi c'est déjà pas mal. Ou alors de la régène de vie toutes les 5 secondes. Perso, je préfère ceci. Après, 12% de. Ben, pardon, 12 de move speed dans les bushs et dans la river. C'est vraiment pas beaucoup comparé à ça. Vous prenez 2 points de dégâts des champions et des monstres. Après, alors ça c'est ce qui. Les deux maîtrises là. C'est celles qui vont vous faire pencher vers cet arbre plutôt que vers cet arbre. C'est tout simplement OP. Ne regardez même pas les deux là. Hein. C'est rien du tout. Là, attention, lisez bien. 8% bonus à tous les shields et les régénérations. C'est-à-dire qu'un shield de Lulu qu'elle va vous mettre, il va être augmenté de 8%. 8%. Même si elle joue pas AP, c'est énorme. Et ça inclut la régénération d'HP de base. Oui, ça inclut la régénération d'HP de base, donc 8% en plus de régénération HP bonus, et ça augmente aussi le lifesteal. Attention, ça ne va pas vous donner 8% de lifesteal. Par exemple, si vous avez, je sais pas, si vous avez, bah, j'ai une connerie, hein. Si vous avez 100% de lifesteal, vous aurez 108%. Ou si, on va prendre un exemple plus significatif, si vous avez 10% de lifesteal, ça veut dire que vous aurez pas 10% de lifesteal, mais 10,8%, 10,8%. Donc c'est vraiment fort. Bon, pour le lifesteal, c'est pas très conséquent, mais le fait que ça soit sur les shields, plus les heals, plus la régénération, plus le lifesteal, c'est vraiment fort. Alors après, vous avez 50, plus 50% de régénération de vie, et plus 200% quand vous avez moins de 20% de vie. Personnellement, je préfère les sorts d'invocateurs qui sont réduits de 15%.
de cooldown. Alors voilà, ça sera tout. Ça sera tout, les gens. Ça sera tout. Donc, il y avait un black screen depuis tout à l'heure. Oh merde. Donc, en gros, vous prenez ces masteries là. Vous prenez ces masteries là. Attaque speed. Ceci pour la régène. Vous ne prenez absolument pas ça sur un ADC, s'il vous plaît. Ensuite, vous pouvez choisir entre ces deux masteries là. Perso, je préfère celle-ci. Vous pouvez choisir entre les deux là. Perso, je trouve que celle-ci est plus rentabilisée. Parce que tout simplement, si vous faites 3 kills, vous aurez 3% de bonus dégâts. Alors que 3 kills sur 3 ennemis différents, vous avez 3% de bonus dégâts. Alors que là, vous pouvez avoir un maximum de 2,5% de dégâts en plus. Après, c'est à vous de choisir selon votre compo et tout. Après, on préfère 7% d'armor pen à 7% de magic pen. Normal, on est un ADC. Après, c'est à vous de choisir. Les trois sont viables selon moi. Celle-ci ressort quand même nettement. Mais elle va se faire nerf, donc j'attends de voir. Ensuite, vous prenez ça. C'est mieux que ça, je trouve. Je pense que c'est quand même mieux cette mastery-là que celle-là. Après, celle-ci, les deux-là, il n'y a pas à discuter. Celle-ci est nettement mieux que celle-ci. Ensuite, vous prenez ça et ça. Vous pouvez prendre celle-ci, mais personnellement, je préfère réduire les summoner spell, le cooldown de summoner spell de 15%. Et là, vous augmentez votre vie maximum, alors que là, vous augmentez les shields, les régénérations, le lifesteal et les heals. Donc, c'est tout simplement cheaté. Voilà. Donc, c'est tout pour mes masteries. On va passer aux runes tout de suite. Donc, en runes, je prends 3 quintessences d'attaque speed. Ensuite, 9 marques d'AD. Enfin, 8 et une de crit chance. J'aime bien. Ça peut marcher des fois. Vous faites un trade et d'un coup, boum, vous mettez un crit au mec d'en face. Il s'y attendait pas. Et il prend 1000 life. Trop fort en early si vous avez de la chance. Ensuite, 9 marques d'armure flat. Après, 9 glyphes de CDR. Alors, vous pouvez aussi prendre de la CDR scale. Personnellement, regardez, vous pouvez aussi prendre de la CDR scale. Donc, ça vous fera 10% de cooldown au niveau 18 au lieu de 5% flat. Perso, je préfère flat étant donné que. Ah, quoique, parce que ça veut dire qu'au niveau 9, vous avez déjà 5% de cooldown, logiquement. On peut préférer. En soi, on peut préférer la version scale à la version flat, puisque le niveau 9, c'est à peu près le niveau où vous avez votre pic de puissance. Donc, je vais sauvegarder mes runes et je vais les mettre comme ça. Après, 3 glyphes, 2 magic resist. Donc, pour ça, c'est classique. Donc c'est tout les gens, donnez-moi vos retours, dites-moi ce que vous en pensez de ce tuto, dites-moi ce que vous pensez de la nouvelle saison en commentaire. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, un commentaire. Un pouce bleu c'est très important pour nous aider, Goki et moi, à développer notre chaîne. Donc on est en train de vous préparer un tuto complet sur la botlane. Et Goki vous prépare, il me semble, un tuto sur Thresh, il faut juste qu'il finisse le montage. Donc voilà, mettez un pouce bleu, mettez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Parlez de la chaîne à vos amis et vos connaissances pour nous aider à la développer. Ciao ciao les gens, c'était Idox, salut!